et je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo sur Yandere Simulator. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Yandere Simulator. Et voilà, vous avez eu ce que vous vouliez. J'y retourne. Les amis, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bienvenue sur votre petite chaîne secondaire. Ça fait un moment maintenant que vous me demandez de retourner sur un certain jeu. C'est même plus du harcèlement à ce niveau. Il faudrait inventer un nouveau terme. Ça fait bientôt 3 ans que je suis pas revenu sur Yandere Simulator, que j'ai pas prononcé ce mot en vidéo. Et on va revenir sur le jeu. Ça va être une totale découverte. Ça fait une éternité que je suis pas revenu dessus. Je sais plus du tout comment on joue. Et pourtant, pour ceux qui connaissent pas, il y a une époque, j'en faisais une vidéo par jour. Est-ce que c'est bon? Bon, j'arrête. Bref, on va retourner sur le jeu, on va voir un petit peu ce qui a changé, comment ça a évolué, on va redécouvrir tout ça. En vrai, je suis hyper nostalgique, du coup, je suis curieux. Et comme ça, j'aurais pu 20 commentaires par jour sur mes vidéos. Je les aurais toujours, évidemment que je les aurais toujours. Mais au moins, j'y suis revenu. Mais juste avant, laissez-moi vous parler d'un petit truc. J'ai toujours voulu avoir un katana japonais dans mon studio. J'en avais un d'ailleurs dans l'ancien studio qui a pas fait long feu. Il est cassé maintenant. D'ailleurs, je sais plus où il est. Et j'ai été contacté par un site qui s'appelle Katana Japonais. Voilà, le site s'était juste ici, qui est un site qui fait justement des katanas sur mesure. Vous pouvez absolument tout personnaliser, c'est absolument magnifique. Et justement, ils m'ont envoyé un. Je les remercie pour ce partenariat, je suis trop content, je sais pas à quoi il ressemble. J'ai juste demandé qu'il soit dans le thème des sakuras, du rose, des fleurs de cerisier. Du coup, on va l'unboxer ensemble. Et je suis trop content, j'ai toujours voulu avoir un vrai katana. Attention, je vois du rose. Waouh, il est magnifique. Regardez-moi ça, il est pas trop beau? Cherche la bagarre. Ils ont gravé les caractères japonais de Sora sur la lame. Il y a une fleur de sakura ici. Et je sais pas si ça se voit, mais la lame, elle est un peu rose aussi. Écoutez, il est trop beau, je suis trop content. Merci beaucoup Katana Japonais pour le sabre, c'est trop stylé. Le lien de leur site est dans la description, n'hésitez pas à aller checker, c'est un très beau cadeau. Attention, certaines fois, il y a des petits frais de douane à rajouter, mais tout est écrit sur le site. Et vous avez un code de réduction juste ici, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Vous avez même un petit endroit sur le site où ils vous expliquent un petit peu qu'est-ce que c'est un katana japonais, qu'est-ce que les différentes parties du sabre, etc. Enfin bref, je vous laisse découvrir. Merci beaucoup encore une fois à eux, et nous, on retourne après 3 ans sur Yandere Simulator. On est un peu dans le thème, hein. Ayano, elle connaît ça, hein. Yandere Simulator is supported by the following sponsors. Waouh, cette phrase. Putain, ça fait longtemps. On y est. Yandere Simulator démo. Comment ça, démo? Tu veux dire que le jeu est toujours pas sorti? Oh, ça a changé de fou par contre le menu. Ah, y'a un mode 1980 où on joue la mère de Ayano. Ok, trop bien. Jouer Ayano Aishi pendant l'année 2025. Mais il est dans le futur, le frérot, ou... Ce mode est toujours en développement et actuellement, il y a juste une rivale. Mais non! Et bon, on va faire un nouveau jeu. Oh là là, j'adore la petite lettre et tout. Et on passe à la première journée, le lundi. On va être dans la chambre d'Ayano normalement. La chambre d'Ayano! Oh, ça fait tellement longtemps. Je suis hyper nostalgique. Mais waouh, ça fait hyper longtemps. Je me rappelle, on pouvait changer notre culotte. C'était génial. Là, actuellement, on en a qu'une de dispo. C'est pas grave. Au pire, on change pas de culotte. On la retourne. Et elle peut nous durer quelques jours. Hein. Là, on a le Senpai Shrine avec toutes ses affaires qu'on lui vole et qu'on vénère tous les soirs. Vous remarquerez très rapidement que Ayano a certains problèmes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une fille avec une personnalité très particulière. Ayano est une lycéenne qui est amoureuse de Senpai. Senpai, c'est qui? C'est l'amour de sa vie. Sauf que Ayano a des petits problèmes mentaux. Et évidemment, parce que Senpai est le garçon le plus populaire du lycée. Et qui dit le plus populaire dit évidemment beaucoup de prétendantes. Ayano, pour ça, a eu un plan très simple. S'il y a beaucoup de prétendantes, la première chose à faire, c'est évidemment de fumer toutes les prétendantes. Elle les bute une par une. Plus de prétendantes que Ayano. Ils virent heureux et eurent plein d'enfants. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous ai expliqué plus ou moins Yandere Simulator. Alors, on peut aller à l'école, à la ville, oh, le basement. Oh, mais attends, on peut aller au sous-sol comme... Oh, l'ancienne. Ça me rappelle tellement de choses, cet endroit. On kidnappait les élèves, on les mettait là, on les torturait devant une caméra. C'est la bonne époque, hein. Ça a pas trop changé, c'est un peu similaire. Oh, c'est plus grand. Et il y avait la ville aussi. Normalement, ça a un peu changé. Ah mais ça a beaucoup changé. Mais c'est incroyable. Je suis déjà allé ici avant. Je me rappelle même pas, c'est incroyable, c'est trop beau. On est au bord de la mer, c'est magnifique. Et même la musique, elle enjaille. C'est quoi ça? Game Store, je peux acheter des jeux. Grande date Dude 5. The Elder Scrub, Minecraft. Ah mais c'est génial. C'est des mini-jeux qu'on pouvait jouer sur la console d'Ayano dans sa chambre. Donc je pense qu'il y a plein de mini-jeux qui sont sortis depuis. 60$. Ouais bah c'est pas pour tout de suite hein. Ça c'est quoi? Je peux acheter de la boue, je peux acheter des préservatifs, je peux acheter de l'alcool, des cigarettes. Je peux pas en acheter. Comment ça je peux acheter de cigarettes? Ma pièce d'identité? Attendez, je comprends pas. Ayano elle a quel âge? 17 ans je crois. Le jeu il a été développé en avril 2014. 17 plus 9. Elle a 26 ans, les calculs sont pas bons là. C'est pas grave, je vais l'autre part. Ici c'est quoi? Salut madame. Qu'il y a moyen peut-être d'avoir votre... Ah je peux acheter des culottes. Mais on va en acheter une, super. On va acheter ça. Je l'ai acheté au hasard. Attendez, on va l'essayer. C'est laquelle? Ok, allez. Et j'ai des bonus. Ah oui, mais... Ah oui, selon la culotte, t'as des bonus, c'est vrai. C'est vraiment un jeu de psychopathe. Comment j'ai pas tourné fou à jouer à ce jeu tous les jours? Allez, c'est parti, on va maintenant à l'école. À quoi ça ressemble maintenant? Est-ce que ça a changé?
Cette sonnerie. Wow, il y avait une montagne. Et ça là, est-ce que ça ressemble pas à un énorme ch... Oh là là, à l'ancienne. Il y a tous les élèves, il y a Osana et Senpai. Du coup, voilà Senpai, notre amour de toujours, qui est juste ici. Et du coup, Osana que vous voyez avec les grosses couettes là, c'est la première rivale qu'on doit fumer. Wow, c'est génial. Là, on a le clan des racailles. On a le clan des poufs aussi ou pas? Elles sont là, toujours avec un maximum de fond de teint. J'adore. Je vais juste mettre mon petit sac, hop. Oh là, je vais explorer l'école. Ah, attendez, la place de la fontaine, elle ressemble à quoi maintenant? Oh là là. Ah oui, ça a vraiment géchant. C'était pas comme ça avant. Enfin, j'ai pas le souvenir. Ou alors, ça fait trop longtemps, je sais pas. Et si je me rappelle bien, Senpai, il se met ici. Et il reste toute la journée à lire un livre, seul. Ah oui, c'est vrai qu'elle pouvait rigoler. C'est vrai. T'es pas un sourire de psychopathe. Ah mince. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas être trop bizarre devant lui. J'avais oublié. Et là, c'est game over. Ah oui, c'est vraiment... Elle est pas drama queen du tout en plus, donc c'est ça qui va bien. Nouveau jour, nouvelle histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là? Alors, on va du coup essayer de paraître normal et explorer un petit peu l'école, ça fait tellement longtemps. Oh, il y a Kokona. Oh là là, Kokona. Tellement... Ah non, c'est pas Kokona. C'est la meuf qui ressemble à Kokona qui l'a remplacée. Tellement de souvenirs avec Kokona, tellement de souvenirs. Bah écoutez, elle va se balader à poil comme ça, dans toute l'école. C'était le bon temps, quoi. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, il y avait plein de clubs différents. Le club de sport, le club occulte, le club de tout plein de trucs. Et chaque club avait vraiment son identité. Par exemple, le club de cuisine, qui est juste ici. C'est le conseil de classe, je crois. C'est les meufs qui te cassent la gueule si jamais t'es trop bizarre. L'école également est très particulière. Tout est très spécial dans cet univers, de toute façon. Là, on a mon club préféré. Oh là là, mais attends, il a changé de fou. Attends, il était comme ça. Oh, je m'en rappelle plus. Oh, ça fait trop longtemps. C'était le club... Mais ça va, oui. On a plus le droit de se balader avec des couteaux. Elle est trop sévère, cet établissement. Et on m'envoie directement chez le principal. Madame, j'ai rien fait. Pas encore, en tout cas. Le 50-50. L'appel à un ami. C'est pas gagné. Bon, allez, j'y vais, y a les miss. Is this what they call... Ah, je trouve ça quand même légèrement excessif comme sanction de me renvoyer juste parce que j'ai pris un couteau dans la main. Qui était déjà dans l'établissement en plus. Pas grave, on va se coucher. Demain est un autre jour. Il se passe que des dingueries là. Nouvelle journée. C'est vrai que j'avais oublié à quel point tout le monde était bizarre dans cette école. Mais vraiment tout le monde. Meuf, qu'est-ce que tu fous? Allez, hop là, ça c'est publié sur Instagram. Oh, ah ouais, c'était l'infirmerie. Est-ce que l'infirmière elle est toujours là? Ah oui, l'infirmière qui est ici. Oh là là, c'est génial. Et ici, si je me rappelle bien, tu peux récupérer une seringue et également des somnifères pour endormir les élèves, pour les kidnapper et les ramener en ton sous-sol. Tant de possibilités finalement. Et quoi ça? Ça va, c'est pas trop louche. En quelle planète je suis? L'extérieur. Oh là là, mais c'est quoi ça? Alors ça, c'était pas ça. C'était une statue de qui? Je crois que c'est une statue du principal. Le mec est pas trop mégalo, ça va. Après, il l'a mis derrière l'école, il l'a pas mis devant. Il aurait pu. Hein. Là, on a l'arbre Sakura. On a la piscine juste ici, où tu peux attacher les cheveux de la première rivale à un poids pour la noyer. Putain, plus la vidéo avance, plus c'est un bordel. Je peux pas retirer ma tenue. Mais je suis hyper bizarre, en fait, avec ça, là. Voilà, ok. C'est moins louche. Regardez tous ces élèves qui s'entendent bien et qui savent pas... Bah j'ai mon cutter sur moi. Oh oui, j'ai mon cutter sur moi. Oh, je vais faire une dinguerie. La salle gaming, il y a une salle gaming, c'est vrai. Ah, je peux jouer? Waouh, 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 waouh. Mais c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah, c'était un peu dur. Moi, c'est un peu trop. Hein. Et sur le toit, normalement, si je me rappelle bien, il y a des élèves qui sont un peu isolés et avec qui on peut avoir certains échanges. Comme par exemple celui-là. Voilà cet échange alors. On a bien échangé là. Va falloir censurer hein, parce que sinon la monétisation c'est ciao. Et alors après, si je me souviens bien, je dois me débarrasser du corps. Mais comment je me débarrasse du corps? Et comment je le passe devant les élèves? Voilà, et au pire je la... Oh là là là. Et merde, et voilà. Et voilà les problèmes qui commencent. Elle va appeler les flics. Vous savez quoi, le corps je vais le foutre ici. Au pire, personne le verra. Comment je lâche? Comment je lâche? Comme ça, c'est très bien. Et moi, il faut que je m'en aille. Non, 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 les gars, ne faites pas attention, ne faites pas attention. C'est un petit peu de sang, ça. J'avais fait de mal à personne. Je saigne juste du nez. Beaucoup, beaucoup du nez. Mais ça peut arriver à tout le monde. Et c'est maintenant qu'on va au vestiaire, du coup, pour effacer l'épreuve. Parce qu'on a plein de sang sur nous. Donc là, on se met à Walp. Voilà, on se change. Ah putain, j'ai même plein de sang sur la serviette. On se lave. En détente. Hop, vous remarquerez d'ailleurs que j'ai même lavé la serviette en même temps. Et tant qu'à faire, on clean tout. Et je dois reprendre une autre tenue. Je peux mettre en maillot de bain ou en gym. Je vais me mettre en maillot de bain. Je pense que vraiment personne va trouver ça louche. Ça m'a toujours beaucoup fait rire d'ailleurs que personne trouve ça louche. Je suis la seule meuf de l'école à être en maillot de bain, à aller en maths, mais personne trouve ça bizarre. Et maintenant on doit se débarrasser des preuves, donc mon uniforme. Et ça, si je me rappelle bien, on doit aller l'incinérer. Parce que oui, il y a un incinérateur dans l'école. Enfin après... Fin... You, you're trying to cover up a crime, aren't you? Pas du tout. Quoi? La tenue plein de sang. Je pense que c'est ce qui m'a... ce qui m'a perdu finalement. Ok, c'est bon, je suis de retour dans les vestiaires. Par contre, il y a un petit problème. La police a été appelée. Alors,
falloir qu'on se dépêche très vite. Je suis lavé, je me change, je prends l'uniforme. Et alors l'incinérateur, il est où déjà? Elle, elle me crame, je suis foutu. Pas qu'elle me voit, pas qu'elle me voit. Je vais faire le tour. Pas parce que si le comité des disciplines me voit, elle m'explose. Je peux passer juste derrière. Ok, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Ok, l'incinérateur est juste ici. Je mets ça là-dedans. Le cutter, je le mets là-dedans et j'active. Et là, normalement, il n'y a plus aucun soupçon. Ah merde, attends, je crois que je suis folle. Comment est-ce que on devient moins folle? Je crois qu'il faut que je rigole, non? Vous voyez bien que je le suis plus du tout là. Je crois que je suis safe là, non? Par exemple, si je vais devant elle. Putain, putain. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est parce que justement je suis en maillot de bain. Peut-être que ça a changé. Peut-être que du coup c'est bizarre maintenant. Quand Ayano est allé chez le principal, un corps a été découvert par la police. Mais oui, la police est arrivée à l'école. Ils ont découvert le corps de Oshiko Mizudori. Mais ils ont pas trouvé l'arme du crime. Quoi? Plein d'étudiants ont accusé Ayano du crime. Mais il y avait aucune preuve pour m'arrêter. Eh ouais, bah oui. C'est une affaire rondement menée. Et du coup la police est repartie sans pouvoir inculper le criminel. Et on est rentré chez nous et on va se coucher comme si de rien n'était. Ah, ça nous empêche pas de dormir la nuit hein. Mais il y en a d'autres à faire de toute façon. Ah oui, je me souvenais pas de ça. Quand tu reviens, il y a une cérémonie. Et du coup le principal qui est là et qui nous dit que c'est une terrible tragédie finalement. Alors par contre, c'était une terrible tragédie mais tout le monde retourne en cours quoi. Il y a personne qui rentre chez soi. On a un programme à finir. OK. Le bac qui va pas se passer tout seul hein. C'est horrible. A few minutes later. Bon, je me suis occupé de 2-3 trucs. Je pense qu'on va terminer la journée et passer à la suivante. C'est vrai, j'avais complètement zappé. Mais un crime, il rajoute une caméra de sécurité. Et du coup, ça devient plus difficile et ça devient encore plus compliqué de faire les éliminations. Ok, les policiers sont arrivés. Apparemment, il s'est passé quelque chose de terrible pendant la journée. On va aller dormir et on retourne évidemment à l'école pour faire face à cette terrible tragédie. Terrible tragédie. Le proviseur, il veut se foutre en l'air. Eh oh, hier déjà, il y en avait une et maintenant, il y en a 6 de plus. Et c'est quoi demain? J'ai plus d'élèves. J'ai trop envie qu'il y ait genre 24 tableaux derrière. Enfin, mais c'est un enfer à faire, mais ce serait génial. Ah oui, il y a carrément des caméras devant les vestiaires maintenant. Et est-ce que devant l'école, il y a toujours la caméra du coup? Ah, il y a carrément des caméras dans les couloirs. Ah non, mais là, c'est plus une école, enfin, c'est une prison. Il y a 2 caméras devant. Allez, on va s'arrêter là pour ce retour sur Yandere Simulator. J'espère que ça vous aura plu, c'est bon. Je vous ai écouté, je vous ai entendu, voici une petite vidéo dessus. Je vous préviens, il n'y en aura pas tout de suite une autre, donc profitez bien de celle-là. J'en referai sûrement une si il développe un peu plus son jeu et qu'il y a des vrais trucs qui sortent, ou peut-être quand il terminera son jeu, qui sait, en 2034. Bref, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne secondaire, mettez le petit pouce bleu, c'est important. Je vous fais des gros bisous, à très vite pour une prochaine vidéo, salut!